Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas du tout. J'en ai vraiment, ça commence vraiment à me courir sur le haricot comme on dit. Je viens de me reconnecter parce que suite à hier, parce que j'étais en train de jouer Dofus avec mon roublard, j'étais en train de capturer des archis pour avancer dans la quête du Dofus Ocre. Et aux alentours de minuit, minuit 10 à peu près, il y a mon compte qui s'est déconnecté. Donc je me suis reconnecté, je me suis dit c'est sûrement le internet qui a bugué ou quoi. Donc je me relance, je me reconnecte sans souci. Je vais voir Otomai, je lui rends l'archi, puis après, le monstre. Je recontinue, je fais une autre étape, je vais en rechercher quelques-uns et puis je vais y retourner. Puis boum, ça me redéconnecte. Je me dis c'est quoi ce bordel, ça fait deux fois quand même. J'essaye de me reconnecter, mais identifiant pas bon. Que je me dis, j'ai sûrement mal écrit, je réessaye 3-4 fois. Puis après, je prends un bloc-notes et je note le mot de passe pour voir si c'était pas bêtement ma touche de chiffres qui était pas désactivée ou que j'ai bêtement activé un autre truc. Enfin, je savais vraiment pas. Donc, je l'ai écrit, je l'ai copié, je l'ai collé, je l'ai mis dedans et m'était identifiant pas possible. Donc, je suis allé sur le support, j'ai mis. Vol de compte ou mot de passe oublié, j'essaie de me connecter, ça allait pas non plus. Donc là j'ai commencé un petit peu à stresser. Donc j'ai envoyé un message au support avec ma carte d'identité et tout ça pour récupérer mes identifiants. Et là on vient de me les rendre. Et j'ai recertifié avec une nouvelle adresse email et tout ça comme tout était demandé. Et je viens de me rendre compte que ma roublard s'est encore fait hacker. Ma roublard plus mon sacré, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Je me suis dit je vais faire une vidéo directement parce que franchement ça commence vraiment à me casser les couilles. Et je peux même plus ouvrir ma banque pour vous dire, le gars a vraiment tout vidé. Je commence à peine à me refaire plus ou moins. Voilà, il m'a laissé la DD par contre. J'ai vraiment plus rien, la coiffe relivant il l'a laissé. Le bouclier solaire aussi parce qu'il est inéchangeable. J'ai 4-5 ressources pour faire des clés coriandre. J'ai vraiment mais plus rien quoi. Il a même pris mes archis. Enfin soit. Je peux. Franchement ça commence vraiment à me saouler parce que je comprends plus rien. On va dire les autres fois j'avais peut-être cliqué sur des liens ou des trucs comme ça. Mais là j'ai vraiment. Mais vraiment appuyé sur rien. Je fais super gaffe depuis un bon moment. Et j'ai été récupérer l'IP du gars sur Anka Shield et c'est encore une fois, il me semble que c'est le même que l'autre fois en Picardie. Et franchement ça commence à m'aller loin, je suis vraiment dégoûté, je sais vraiment plus quoi faire. Et il me reste un peu de Kama sur mon Yop. J'en profite que vous êtes là, on va aller voir à la banque. Et franchement je sais vraiment pas quoi faire. Donc soit je vais recommencer un nouveau perso, soit je vais peut-être arrêter. Franchement je sais vraiment pas, ça me dégoûte vraiment au plus des points. On peut vraiment pas dire que j'essaye pas de faire des efforts parce que je cache mon IP. Je mets même une IP rotative et tout ça pour éviter de me faire avoir. Enfin je comprends vraiment pas. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai rien du tout en équipement. J'ai toutes mes captures archi. Ça c'est pas trop mal on va dire. Il me reste quelques trucs. Niveau ressources. J'ai toujours tout ça je pense. Ouais ça devrait aller. J'ai vraiment plus rien. Franchement ça m'énerve. Parce que voilà, on peut pas dire que je fais pas attention quoi, c'est vraiment dégueulasse. Je crois que ça s'entend un petit peu à ma voix parce que j'ai vraiment... Franchement, dans ma tête, là, je suis vraiment dégoûté, on va dire. La première fois, j'étais un peu sur le cul parce que je m'y attendais vraiment pas. Puis le gars m'a rendu mes items, donc j'étais soulagé. La deuxième fois, ça m'a fait vraiment chier. Mais je me suis dit c'est un peu de ma faute parce que j'ai sûrement cliqué sur des liens ou accepté des choses à part d'abonner et tout ça. Mais franchement, cette fois-ci, mais vraiment rien quoi. J'étais en train de jouer tranquillement je comprends vraiment pas. Mon PC était reformaté il y a pas longtemps. J'ai un antivirus qui fonctionne 24h/24. J'ai Malwarebytes qui fait des scans tous les jours.
J'ai même Spybot, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel qui permet de retrouver les keyloggers et les trucs comme ça sur les PC. Que vraiment, je comprends vraiment rien. Je comprends pas du tout comment c'est possible. Que je sais pas ce que je vais faire suite à ça, parce que voilà, je suis vraiment dégoûté. Là pour le moment, en plus, j'ai vraiment pas trop le temps de jouer vraiment à fond comme avant, parce que voilà, ça va être les examens bientôt. Et j'ai pas mal d'entraînement et puis j'ai une copine et tout ça, donc j'ai vraiment pas trop le temps. Je fais vraiment ça pour m'amuser. Et franchement, ça commence à vraiment plus m'amuser du tout, parce que ce que je comprends pas, quoi. On dirait que le gars a 100% accès à mon compte et qu'il arrive à retirer tout à chaque fois. Franchement, je comprends rien du tout. Et pourtant, mon cache-id il est activé et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment bizarre. Je comprends vraiment rien. Je vais remettre l'IP. Peut-être que la personne va regarder la vidéo. Parce que franchement, ça commence vraiment à me casser les couilles. Et donc, voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. En plus, il y a le 2.9 qui va sortir mardi. C'est le 11. Attendez, je vais regarder. Le 11, ce sera ouais mardi. Franchement, je me réjouissais parce que il y a plein de nouveautés qui vont arriver et qui sont vraiment énormes. Donc parfois, par contre, les succès, je pensais faire une petite série par rapport aux succès, genre refaire tous les donjons du jeu pour avoir les succès. Peut-être. En plus, il y a un nouveau truc, ça va être le mode spectateur en Coliseum. Donc ça va être vraiment énorme pour ceux qui voulaient voir du gros PVP en team, ben, du 3 contre 3, vous pourrez voir tous les combats de votre serveur, pardon, dans le Colisée. Il vous suffira d'aller dans la map du Colisée à l'hôtel de vente des trophées et de regarder en spectateur comme si c'était un combat normal. Et voilà, franchement, je comprends pas. Ça m'énerve de. Je sèche là, franchement, je comprends vraiment pas. Je vais refaire un scan total avec Spybot pour voir s'il y a vraiment pas ça. Mais franchement, ça m'énerve vraiment. Je comprends rien du tout. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Franchement, encore une fois, je sens qu'il va y avoir des gars rageux. Donc je le dis bien, je ne veux pas d'aide, je ne demande pas d'aide, je fais juste cette vidéo pour vous informer, juste pour pas que vous disiez, que vous dites, pardon, tu t'es fait hacker, tu nous as rien dit, t'essayes de le dissimuler, ou t'as fait un faux hack quand vous avez lâché l'autre fois. Franchement, ça m'a resté lourd sur le ciboulot, et donc voilà. Donc franchement, je suis vraiment dégoûté, et je vais bien voir ce que je vais faire suite à ça. Je vais en parler un petit peu à mes potes. Mes potes IRL et IG, mais franchement, je sais vraiment pas quoi faire, ça m'énerve. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, le plus vite possible. Allez, ciao ciao.